invitée sur le plateau de SLT, la députée LREM, Aurore Berger, a été la cible d'attaques sexistes virulentes sur Twitter. En cause / oblique, sa tenue jugée trop provocante par les internautes / une polémique que la jeune élue a condamnée fermement. Aurore Berger ne s'attendait certainement pas à un tel acharnement point présente sur le plateau de Thierry Ardisson pour évoquer, notamment, la réforme de l'audiovisuel public et le harcèlement sexuel. L'élue de 31 ans a essuyé pléthore de commentaires vulgaires et dégradants sur les réseaux sociaux. Tout au long de la diffusion de l'émission, les internautes se sont montrés bien plus intéressés par la tenue de la députée de la 10e circonscription des Yvelines que par son discours et ses idées, n'ayant de cesse de critiquer la longueur de sa robe et la profondeur de son décolleté. Force est de constater que l'élégance à la française a perdu ses lettres de noblesse. Quand on regarde Aurore Berger, ou encore c'est quand même d'une vulgarité sans nom, la tenue d'Aurore Berger. On ne s'habille pas de vêtements aussi courts quand on passe à la télé. On ne croit pas les jambes en mini-jupe. On ne met pas de décolleté ultra plongeant. On put lire sur Twitter des propos sexistes auxquels la femme politique a d'abord répondu avec ironie. Sinon je remercie tous ceux qui ont eu un avis sur la réforme de l'audiovisuel, le service public, l'éducation, la formation. Non je plaisante, le vrai débat en 2018 sur Twitter, c'est la longueur de ma robe. Avant de mettre définitivement cinquièmement les points sur les i, alors qu'un internaute évoque sa cuisse généreusement offerte à la caméra. Pour l'élu censé trop en cette période de libération de la parole féminine, il faut revendiquer ses droits. Alors vous savez quoi / je n'ai pas à être jugée sur la longueur de ma robe. Ni moi, ni aucune femme. Je n'ai pas à subir d'insultes, de harcèlement ou pire, en raison d'une robe. Ni moi, ni aucune femme. Rien ne justifie ou n'excuse cela. Dièse SLT, dièse sexisme ordinaire. Heureusement, des internautes ont également élevé la voix pour défendre Aurore Berger. C'est quand même hallucinant vos commentaires nauséabonds sur la tenue d'Aurore Berger / de là à dire qu'elle appelle au harcèlement un plus / elle s'habille comme elle veut /. Si vous avez les idées mal placées, c'est de sa faute /. Vous n'apprendrez donc jamais /. Pendant ce temps, les commentaires sur la tenue d'Aurore Berger sont juste insupportables, ont ainsi dénoncé certains.